Bonsoir tout le monde. Alors, ce soir, on va. Alors, pour une fois, j'ai essayé d'un peu regarder où est-ce qu'on en était. Donc, pour ce soir, on va essayer de rajouter enfin les événements sur les contacts. Donc, probablement qu'il faudra changer pas mal de choses sur l'écran, le roster. Donc, c'est là où on a tous nos amis. Donc voilà, encore pas mal de qui-vive en perspective. Pas beaucoup de. Quoique si, on va peut-être recommencer à faire des tests unitaires, on verra bien. Mais voilà. Et je n'ai toujours pas réussi à compiler une version stable pour Android. Alors j'ai regardé, il y avait cette semaine un post dans une newsletter à ce sujet sur la compilation vers mobile. Et donc en fait il y avait les deux technologies qu'on a vues la semaine dernière ou la semaine d'avant, qui sont Beware et Kivy. Et c'est amusant parce que je n'ai donc là le projet sur lequel moi je travaille utilise Kivy, mais j'ai apparemment Beware a beaucoup plus de marketing et beaucoup plus connu, alors que Kivy marche bien. Et Beware, je n'ai pas encore réussi à trouver une version qui fonctionne pour de vrai sur Android, en tout cas avec tous les widgets dont moi j'ai besoin. Alors la solution, le plan B qui aurait à la limite, ce serait de prendre une machine Android, un téléphone Android, et d'aller juste copier-coller sur la carte SD les fichiers. Donc ça, c'est faisable, on peut faire ça. Et avec Kivy, il y a le mode interpréteur. Donc en fait, il faut aller dans l'application Kivy et charger le fichier main, et là, l'application se lance. Donc ça fait un petit peu ce que ça devrait faire, je sais pas. Je sais pas comment ça va fonctionner au niveau des extensions C. Ça, j'ai pas encore testé. Mais bon, voilà. Donc, j'espère que d'ici, allez, une semaine ou deux, on va avoir un meilleur support. Parce que disons, là, pour l'instant, je suis pas encore au niveau où j'ai vraiment besoin du support Android. Mais on va quand même finir par y venir à un moment. Donc, ça serait bien que quand on y arrive, bah, Bulldozer le supporte. Donc je vais continuer à regarder activement où est-ce qu'on en est au niveau déploiement et au niveau support de Bulldozer. Voilà, en attendant encore, on a encore 2-3 tickets à faire à ce niveau-là. Donc ce que je propose de faire pour l'instant, c'est déjà de commencer à regarder où est-ce qu'on était arrêté la semaine dernière. Donc, semaine dernière, on avait pas mal bossé la semaine dernière en fait. On avait rajouté pas mal de trucs. Si je reprends. On a eu tout ce délire avec les changements de fonte. Ah oui, on a fait la fonction crop and resize pour les photos de profil, qui était très sympa. Alors, voyons un petit peu, on va relancer. Alors, d'une semaine sur l'autre, je relance pas le projet, donc c'est à chaque fois une redécouverte. Non. Oui, voilà, mes amis. Ils sont tous là. À un moment donné, il faudrait que je mette des vraies photos de vrais gens. Voilà, donc le clic ne marche toujours pas. Ok, donc j'ai pas activé le clic sur les amis. L'ajout de personne fonctionne. Ouais, ça marche. Le cancel, ça marche. Mais. Et le crop and resize, ça marche. Ça va. Alors, il faut se rappeler que cet écran-là, in fine, ça doit ressembler à. Ah ça.
Donc je devrais peut-être reprendre ces photos-là, enfin ces images-là et les reposter dans les autres issues. Mais grosso modo, il faut se rappeler que voilà, on a besoin des deux onglets, donc l'onglet des contacts avec les photos. Bon, le plus, on va peut-être le mettre en bas, c'est vrai. L'écran de recherche. Ah bon, c'est vrai qu'il faudra aussi implémenter une recherche. Et ensuite, l'écran d'édition des contacts. Avec évidemment la possibilité d'éditer la photo. Mais on n'est pas sorti. Et les événements, et les reminders, et les events. Ouais, en fait, c'est plutôt cette partie-là qu'il faudrait qu'on fasse aujourd'hui. Donc, on va probablement. Effectivement, on va taffer sur ça. Alors, on va copier l'image, on va la mettre dans un autre. On va la recoller dans une autre issue pour garder quand même le. Ah, bah non, mais je l'avais déjà mise. Oh, quel talent! C'était au mois de février, j'ai oublié depuis. Bon, ben du coup, il faut qu'on finalise un peu cet écran de contact. Donc déjà, il va falloir qu'on bind le clic sur les photos vers le retour à l'écran d'édition, quoi. Hop. Mange un bout de pizza en attendant. Hop là. Donc j'ai pas eu le temps de finir de manger, donc je finis en même temps. Hop là. Hop là. Donc pour ça, réfléchissons. Pour ça, il faut. C'est au niveau du roster. Ah oui, j'avais pas dit aussi que je voudrais utiliser Sublime Text au lieu de PyCharm. De PyCharm ou le Sublime Text. Je vais peut-être faire ça aussi. Parce que disons là, le problème c'est que je commence à rater de plus en plus. Le code commence à devenir de plus en plus étoffé. Et du coup, je rate plus facilement des détails, comme des variables non déclarées ou des choses comme ça, ou des variables le non utilisées. Je vais peut-être faire ça aussi. Alors j'ai déjà PyCharm installé. Maintenant, est-ce que j'ai est-ce qu'il est déjà préconfiguré? Ah non, ok, il n'y a rien configuré quoi. Allez, hop là. C'est pas grave, on continue, on recommence. Continuez, merci. Très bien. C'est très bien. C'est très bien. Alors, je suis à l'aise avec Vim, mais je n'en ai pas besoin pour l'instant. Voilà. Donc évidemment, vous voyez que la moitié du splash screen parce que mon écran est coupé en deux. Hop là. Donc PyCharm, si vous avez jamais utilisé, c'est assez facile. Hein. Donc grosso modo, là, je viens juste de l'installer, donc il me propose, j'ai fait créer un projet. Est-ce que j'aurais pu Qu'est-ce qui se passe si jamais je fais ça? Il va me l'ouvrir, mais est-ce que ça va être un projet? Non, oh, oui, ça va, il s'en sort un petit peu. Bon, je connais, ça va. Mais il ne sait pas avec. Alors voilà, le seul truc qu'il faut configurer en fait dans PyCharm quand on lance un projet pour la première fois. Non, c'est pas ça. Très bien, voilà. Le seul truc qu'il faut configurer de base, c'est l'interpréteur parce que par défaut, il ne peut pas deviner quel type de projet, dit quel interpréteur il a besoin. Je pense qu'il a même pas compris que c'est un projet Python en fait. Non, pas du tout en fait. Ouais, alors on va faire l'inverse. Ouais, je sais pas trop ce qui bricole. Alors on va refermer ça. Voilà, c'est pas grave.
On va dire que tout ça n'est pas arrivé. On va créer un nouveau projet, on va le créer dans le répertoire et on se... Ça, c'est comme ça que moi je fais d'habitude. Alors peut-être que je m'y prends mal. Tac, je dis de le mettre là, voilà. En disant d'utiliser l'environnement virtuel Memento qui est en 3.6, c'est très bien. Voilà. Environment location, donc je veux dire existing. Donc ça, il ne le retrouve pas, donc il faut aller le configurer soi-même. Hop là. Hop là. Donc là, pour configurer l'environnement virtuel, il faut juste aller rechercher l'exécutable Python. Voilà, qui est là. Tac. Tac. Voilà, c'est du Python 3.7. C'est bon. Tout cela a l'air très bien. Il me dit, ah mince, le répertoire n'est pas vide, je dois créer mes fichiers dedans, est-ce que ça te dérange? Vas-y, fais comme chez toi. Voilà. Et on est revenu à exactement le même écran qu'avant. Sacrebleu. On n'est pas rendu. Mais est-ce que cette fois-ci, il va au moins avoir la politesse de ne que dalle? Rien du tout. Ah si. Mais c'est peut-être là que j'aurais dû chercher dès le début en fait. J'ai un peu fait le boulet, je pense. Bon, ça c'est la partie longue, il faut attendre que PyCharm recharge toutes les librairies, etc. qui sont associées à un projet, ça prend un peu de temps. Bon, l'avantage c'est qu'il le fait normalement une fois, et après il le fait qu'à chaque redémarrage de l'interpréteur, à chaque redémarrage de l'IDE, donc allez. C'est acceptable. Après, pendant tout le temps où il tourne, il ne demande plus rien. Bon. Alors, on va déjà cacher 2-3 trucs parce que je ne veux pas les voir. Ah, on peut pas, c'est pas là. Builder spec, on va lui dire aussi de ne pas mettre de... Je ne peux pas avoir les fichiers exclus. Et ça, c'est les fichiers ignorés par le gitignore, c'est pour ça qu'ils sont en vert un peu sale comme ça. Très bien, bon. Donc maintenant, j'imagine que si jamais je rouvre mon Memento main. Oh, qu'est-ce que c'est que cette police? C'est affreux. Bon, désolé, je refais encore un peu de nettoyage. Qu'est-ce que j'utilise comme police ici? Ubuntu modem. On a le droit de mettre du 15, 16. Ça, c'est visible. Soyons fous, 18. Hein. Ouais. Oh. Ah bon, ça oui. Et évidemment, dans du code, ça n'a absolument aucun sens, mais admettons. Je ne veux pas de spelling. Voilà, merci. Désactivation du... Merci. Ah. Ça, c'était absolument infâme. Bon. Bon, bah voilà, vous voyez, ça change pas grand-chose. Je pourrais éventuellement trouver un thème un peu plus lisible. Je sais pas si c'est super lisible, en fait, au niveau du stream.
Voilà. Je pense que c'est. Je vais peut-être vous mettre ça un petit poil plus gros. Peut-être en 20, quoi. Comme ça, après, on est bon. Deux. Ah, peut-être 21, parce que là, je vois que ma gouttière de limite de 100 caractères sort de l'écran. Voilà. Voilà. On n'ira pas plus loin que ça. Mais bon, à mon avis, ça c'est lisible. Voilà, parfait. Bon. Alors, tac. Voilà. Alors, donc comme ça, vous avez même vu comment est-ce qu'on configure PyCharm from scratch. Alors, aujourd'hui, on disait écran d'édition des contacts, c'est ça. Où est-ce qu'on en était? Donc ici, on a les contacts. Ah oui, le bindé dans le... Le roster, il est là. Alors, bindé, l'événement, onPress. Alors, voilà, PyCharm, un truc qui est cool, c'est qu'il va vous dire aussi quand vous n'utilisez pas des arguments, des choses comme ça. En vrai, ça, je m'en fous un tout petit peu, mais bon, je préfère qu'il me le souligne pas, mais bon, admettons. Alors, quand on appuie sur le bouton Add, il fait des choses. Et moi, je voudrais aussi, quand on appuie sur les boutons, ceux-ci là. Donc, ça, c'est les buttons ici. Alors là, c'est là où ça va devenir un peu subtil. C'est là que ça va devenir un tout petit peu subtil, c'est qu'il faut que chaque bouton aille sur la bonne page de la bonne personne, évidemment. Donc là, c'est un. Comment est-ce qu'on va s'y prendre? Soit on met l'information sur le bouton lui-même, c'est-à-dire qu'on lui injecte une propriété, genre le nom, voilà. Ça serait une option. Et donc, parce que je crois que quand on appuie sur un bouton, on reçoit l'instance du bouton qui a été appuyé. Donc ça, c'est cool. Donc on peut récupérer instance.quelque quelque chose. Bah tiens, on va éventuellement faire ça. Alors là, comme vous voyez, donc dans cette fonction-là, on a donc on crée les boutons ici et on le range dans notre liste de boutons par là. Voilà. Ici, juste après avoir fait tout ça, on pourrait injecter button. Et alors là, on met une propriété n'importe laquelle. Hein. On va mettre contact ID égale contact. Alors, ouais, contact, il n'y a que name. On va appeler ça contact name, hein, du coup. Et maintenant, on contact button pressed. Et ici, on va devoir faire button.bind on press égale self.on contact button pressed. Alors, je vais juste vérifier que c'est bien comme ça qu'on fait les bind on press self.on button. Ouais, non, ça fonctionne, ça fonctionne. On y croit. Alors là, il râle parce que on contact may be static. Parce qu'elle n'utilise pas. Oui, alors en fait, pourquoi est-ce qu'il me dit ça? C'est parce qu'elle n'utilise pas self. Donc il me dit, tiens, si c'est pour faire. Voilà. Si c'est pour ne pas utiliser self, pourquoi tu ne mets pas ta méthode statique? En fait, t'es bien gentil, PyCharm, mais je tes conseils ne m'intéresse pas. Je pense que je vais désactiver en fait l'inspection. C'est pas une mauvaise intention, hein, c'est pas ça, mais. Voilà. Méthode maybe statique, c'est bon. Classe spécifique datum. Ouais, c'est déjà. Un weak warning, ouais. Moyen de dire que je veux pas voir les weak. Weak warnings. Ouais, carrément, ouais. Ouais, je vais me contenter de ça pour l'instant. Voilà. Et puis on va mettre un petit message devant pour être sûr que c'est bien celui-là qui a été utilisé. Donc on va mettre pressed button for. Ouais.
On relance. Et est-ce qu'on est pas trop mal là? Merci Prigazax. Bonsoir. On est pas mal du tout là. Donc ça c'est quand même le truc qui est assez pratique avec Python, c'est que tu peux injecter tout et n'importe quoi dans des objets au runtime et voilà. Personne ne te demande rien. Donc maintenant que j'ai ça, depuis cet écran-là, alors c'est là où ça devient un peu. Alors il y a le contact add screen, oui, mais alors comment est-ce qu'on précharge? C'est là où ça devient compliqué. C'est que j'ai bien un écran pour rajouter les contacts, mais j'ai pas un écran pour les éditer. C'est là où ça devient amusant. Parce que. Alors, de deux choses l'une. Soit on peut se dire, on s'en fout, on fait deux écrans séparés. Le risque, c'est quand on fait un changement dans l'un, on va idéalement répercuter le changement dans l'autre. Parce que sinon, les gens vont avoir un écran qui va avoir une tête différente selon le moment. D'un autre côté, quand tu crées un contact, c'est mieux d'avoir un écran plus restreint qui va à l'essentiel, parce que je ne vais pas commencer à ajouter des events à quelqu'un que je ne connais pas encore. Enfin, quelqu'un qui n'a pas encore été créé. Ah, tous ces choix, tous ces choix. Alors, je pense que à la base, on va faire deux écrans séparés. Pourquoi? Parce que là, vraiment, les choses qui nous intéressent, c'est. Alors, déjà, l'ordre des boutons, il va falloir, vraiment falloir qu'on fasse quelque chose, parce que c'est complètement pas ergonomique. Mais. Typiquement, la picture devrait être en haut. Quelle idée? Qu'est-ce qui m'a pris de mettre dans cet ordre-là? Mais voilà, là, en fait, les critères, c'est rajouter la photo, tape son nom, et voilà, là, c'est bon. Et en fait, une fois que j'ai rajouté quelqu'un, probablement, je ne devrais pas retourner dans le roster, mais je devrais aller sur l'écran d'édition, du coup. Et là, ça aurait du sens. Je rajoute quelqu'un, et tout de suite, je peux rajouter ces informations, mais on me présente l'écran d'édition. Voilà. C'est ça qu'on va faire. On va garder l'idée de mettre d'abord l'écran de création pour simplifier ce que voit la personne quand elle veut rajouter des choses, enfin quand elle veut rajouter une personne, pour un peu focus sur les éléments essentiels qui sont le nom et la photo, c'est ça qui nous intéresse. Et dans un deuxième temps, hop, directement on bascule sur l'écran, ça au lieu de revenir sur le roster après avoir rajouté quelqu'un, hop, on remontre directement l'écran d'édition pour cette personne. Mais dans ce cas-là, on doit d'avoir la capacité de précharger un écran, de précharger l'écran. Donc ça veut dire faire un nouvel écran. Ouais, ça me paraît bien. Après, manger un bout de pizza en réfléchissant. Comme ça, vous pouvez me voir dans toute ma splendeur en train de manger une pizza. Donc là. Hop là. Comment est-ce qu'on va le designer cet écran-là? Merci beaucoup. J'imagine qu'il y en a qui mangent aussi chez vous, donc bon app à ceux qui mangent. C'est sûr le compromis, faire le stream tard et être complètement décalqué. Et... Mais c'est ça, c'est vraiment l'heure un peu pourrie où. Soit les gens n'ont pas encore mangé, soit ils ont déjà mangé. Et moi, toujours, c'est compliqué.
Alors moi, je teste une. Enfin, avec ma femme, on a testé une nouvelle recette de pizza maison à base de tortilla. Enfin, non, comment ça s'appelle? Pas de la tortilla, c'est du. Comment est-ce qu'on appelle là, les crêpes pour les fajitas? Les crêpes faites avec de la farine de maïs, là. Et en fait, on fait de la pizza avec ça. Donc de la sauce tomate et du fromage et tout ça dessus. Et c'est super bon. Franchement, c'est super sûr. Ouais, le burrito, tu vois, c'est pas un peu. C'est le truc en forme de U là qui bouge pas, non? Ouais, je me demande aussi. Je sais pas. Ouais, le burrito, c'est vrai que le burrito, je crois que c'est le plat complet avec la coquille Ouais, c'est ça en fait, c'est la même crêpe, mais qui est dure quoi. Et en fait, là, c'est le truc tout plat, flexible quoi, et au four, et ça, on s'en sert comme fond de pâte à pizza. Et c'est super bon, franchement, c'est excellent. Ah bah, tortilla. Mais est-ce que la tortilla, c'est pas aussi le nom d'un truc à base d'œuf? C'est pas un. Oh, je suis un peu largué niveau bouffe. Mais non, sinon c'est super bon. Ouais. Je recommande, hein, ça ressemble à ça. Hein. Voilà. Ah, c'est peut-être ça. C'est peut-être tortilla espagnole. Oui, c'est ça, c'est une sorte d'omelette avec de la patate et tout ça, non? Super, super bon aussi, mais c'est autre chose. Ça, c'est un plat complet, la tortilla. Ok. C'est la tortilla espagnole et la tortilla mexicaine, alors. Bah donc, tortilla mexicaine, plus fond de tomate, champignons, œufs et jambon. C'est nickel. Bon. Ça me dit toujours pas. Ah, en fait, si. Alors, donc, quand on a un écran comme ça, évidemment, les critères qui vont nous intéresser. Donc, il faut toujours essayer de se ramener à une grille. Donc, là, on peut voir qu'on a une première ligne sur laquelle on a bah, la photo du. L'application? Bah, idéalement, oui. C'est-à-dire qu'en fait, le framework que j'utilise, qui s'appelle Kivi, est basé sur le principe, c'est que c'est multiplateforme, multiplateforme. Donc en fait, ça marche sur tout. Est-ce qu'ils n'ont pas mis leur truc quelque part? Voilà, donc il supporte tous les OS et en plus il supporte les concepts multi-touch, caméra et tout ça qui sont plutôt propres à du smartphone. Et quand j'ai commencé ce projet-là, moi je voulais vraiment faire une application smartphone, donc pour Android et iOS. J'ai pas d'appareil Apple, donc bah ça sera quand je trouverai quelqu'un qui pourra me prêter un iPhone. Mais après, bon, tu peux builder le projet sans avoir forcément le device. Tu peux faire de la cross-compilation. Mais pour Android, en fait, ça va. J'ai des appareils Android à la maison, je pourrais tester. Ce que je voulais essayer de faire, c'était d'installer l'émulateur Android sur mon ordi et de faire tourner ça dans l'émulateur. Mais pour faire ça, tu dois builder un fichier APK, donc c'est le packaging Android. Pour builder les APK, tu dois utiliser un autre projet qui s'appelle Bulldozer. C'est ce que je disais plus tôt. Bulldozer.
Voilà. Et en fait, donc il y a des gens qui ont déjà réalisé des applications pour Android, des applications Kiwi pour Android. Hein, donc il y a des gens qui ont fait des applications genre 2048 et tout ça avec Bulldozer, ça marche. J'ai vu fonctionner et je l'ai déjà utilisé plutôt en façon do it yourself. Donc tu prends la carte SD, tu la branches sur ton ordi, tu copies les fichiers, tu démontes la carte SD, tu la mets dans ton appareil Android, tu ouvres, en fait tu initialises le programme avec le launcher de Kivy qui est une appli Android que tu peux télécharger sur le Play Store. Et après ça marche nickel, voilà, ça marche tout seul. Comme je disais aussi tout à l'heure, ma seule interrogation c'est sur la partie code C. Parce que on utilise sur ce projet-ci, on utilise des librairies, par exemple Pillow, pour ma magnifique fonction de resize des photos. Donc le fait que ça, ces petites photos-là soient de 16 mégas, 16 kilos, fassent 16 kilos alors que les originaux fassent 2-3 mégas. Ah, donc en gros, à quoi ça ressemble. Voilà. Donc les photos de base elles sont là, donc elles font 2, 3. Cette photo-là fait 4 mégas. Mais la photo resizée, elle fait 4 kilos. Voilà. Et en fait, la librairie qui se charge de faire la partie resize des images est en C. Mais tu peux pas faire tourner du C. Tu peux pas faire tourner du C nativement sous Android, il faut un peu passer par des bricolages. Et c'est ce que se propose de faire Bulldozer en fait. Bulldozer se propose de faire voilà. On est d'accord. Et Bulldozer en fait des magouilles pour que ton application, en fait l'application Java qui sert de bootstrap à Bulldozer, à ton application, donc à Kivy. Tu bootstrapes avec un programme Java, mais lui-même peut faire a des bindings en C. Et donc il peut importer des DLL en C et après de fil en aiguille, il arrive à retrouver à relinker tout le reste du programme. Mais pour l'instant, le seul souci, donc j'ai essayé il y a quoi, il y a 3 semaines, 3 grosses semaines je pense. J'ai essayé de faire ça, mais j'ai essayé pendant un week-end complet. Et le problème, c'était quand tu lances la compilation, ça prend plusieurs heures. Et à chaque fois, j'avais un problème de link parce qu'ils avaient tout un process de build qui fonctionnait très bien jusqu'à Python 3.5. Et récemment, ils ont changé tout leur process de build pour utiliser Python 3.7, qui est la nouvelle version qui sera supportée, j'ai l'impression. Mais c'est pas encore tout à fait abouti et donc j'ai réussi à faire fonctionner une fois. Donc une fois j'ai eu un APK, mais c'était sur une VM sur laquelle j'avais mis en sécurité complète, donc je pouvais pas monter quoi que ce soit, j'avais pas d'affichage, je pouvais pas. Donc j'avais mon APK mais je pouvais pas le transférer facilement. Je me suis dit c'est pas grave, je vais remonter une VM sur le côté. Je vais refaire tout le process et j'aurai une VM dans laquelle je pourrais lancer par exemple Android Studio et directement importer mon APK. J'ai jamais pu relancer le process. Le process n'a plus jamais fonctionné après ça. Donc après à chaque fois j'ai eu des erreurs au niveau du linker qui me disaient non, c'est pas possible, tu peux pas. Ah oui, c'était un petit peu ennuyeux. Oui. Donc, et donc voilà, donc ça a marché une fois, et évidemment, tellement confiant de mon truc, j'avais deleté la VM juste avant, la VM où j'avais mon APK qui avait fonctionné, donc même pas histoire de regarder ce que j'avais fait. Donc j'avais tapé plein de commandes à la main sans me rappeler de rien du tout, sans rien noter évidemment, donc le regret était intense. Et donc voilà. Donc là pour l'instant, je me suis dit bon, après ce week-end tout à fait désastreux, je vais attendre encore un petit peu. Probablement que je suis tombé au mauvais moment en fait. Je suis tombé entre le moment où ils ont commencé à phaser
le support pour Python 3.7, mais pas encore complètement débugger tous les outils qui sont liés à Python 3.7. Enfin, les outils de compilation et tout ça. Donc, comme je disais au début du stream, probablement que si jamais j'attends encore 15 jours, 3 semaines, j'ai encore des features à développer en attendant, mais peut-être que dans 15 jours, 3 semaines, j'arriverai à un stade où, quand moi je recommencerai à en avoir vraiment besoin de regarder sur Android, j'aurai effectivement le support de compilation qui marchera de nouveau, donc ça ira comme sur des roulettes. Mais c'est vrai que pour l'instant, c'est terrible d'attendre 3 heures et à la fin, il y a une erreur. Et voilà, pour un problème où personnellement je ne suis pas assez, je suis pas assez compétent pour aller regarder exactement qu'est-ce qui s'est passé, quoi, comment. Et voilà, j'ai regardé des issues. Je suis pas le seul à avoir ce problème-là, mais je comprends pas exactement la solution et tout le process. C'est extrêmement sophistiqué. Enfin, en tout cas, pour moi, ça me paraît extrêmement sophistiqué. Donc, voilà, je laisse aux gens du projet qui vit le soin de corriger ça. Et le bug est connu, donc il regarde activement à régler ça. Et je regarderai de nouveau dans 15 jours quand ça sera de nouveau important pour moi. Éventuellement, je testerai peut-être ça un week-end. Et si j'arrive à faire fonctionner un truc, on le fera peut-être en live aussi complètement, quoi. Parce qu'après, il n'y a pas à dire. Enfin, les dernières expériences que j'ai eues les dernières expériences que j'ai eues sur Kiwi, où tu peux vraiment. Ce que j'avais fait, c'était des jeux pour mes gamins. Et je réfléchis si je les ai pas encore. Je pourrais éventuellement retrouver ça. Je crois que c'est sur une tablette que j'ai à la maison, mais qui, à mon avis, n'est plus chargée, donc je pourrais pas montrer là maintenant, mais. Mais grosso modo, c'est rigolo quand tu développes sur ton ordi et que tu copies-colles sur la carte SD, tu remets ça dans l'autre appareil et pouf, t'as l'application qui se charge sur une tablette, quoi, sur un objet, sur l'embarqué, quoi. C'est pour un développeur qui est vraiment purement logiciel comme moi, enfin, je veux dire logiciel plutôt. Traditionnel sur des pour ordinateur, d'avoir un produit qui soit plutôt graphique et sur lequel tu interagisses avec le multitouch, où tu peux agrandir, où tu peux zoomer, où tu peux taper à différents endroits et ça réagit comme ça, c'est fun. Y a pas à dire, c'est fun. Mais bon, voilà. Pour l'instant, donc je veux dire, en théorie, oui. Ça tourne sur ça tourne sur Android ou sur mobile, mais pas tout de suite. Faudrait être un tout petit peu patient. Hop là. Alors, où est-ce que j'en étais? Parce que tu développes aussi, Prigadax. Et en Python aussi ou rien à voir? Ah, quand même. Bah, si tu connaissais pas Kibi, franchement, c'est une super plateforme. Moi, j'utilise pas au quotidien, mais quand je fais des projets sur le côté, c'est un truc que j'aime bien utiliser parce que tout ce qui est gestion des widgets et tout ça, c'est assez bien fait. C'est beaucoup plus agréable à utiliser que des trucs comme. Enfin, allez, je pense que le pire. Ok. Aïe, aïe, aïe. Les études, ça me rappelle le bon vieux temps. Bon, après, oui, dans les.
dans les projets universitaires, de temps en temps, t'as quand même toujours bien l'occasion de caser une petite interface graphique ou quoi. C'est toujours bien fait. Je pense que le pire que tu peux avoir en termes d'interface, c'est les trucs genre. Je pense que le pire du pire, c'est TKinter, qui est quand même le truc qui est, même dans les années 80, on le faisait plus. Après, tu dois avoir GTK, qui est utilisable mais moche. Après, Qt, qui a au moins le respect de la plateforme, donc qui va te mettre les trucs un peu. T'es sous. Ouais. Bon, moi j'ai rien contre le Java en soi, mais c'est vrai que j'ai fait pas mal d'interfaces. Pas mal d'interfaces graphiques en Java. Ouais, bah voilà. Le truc, c'est que les frameworks sont toujours. Moi, je trouve ça trop compliqué. Enfin, c'est trop. Trop de boilerplate, trop de machin, de bidule. Enfin, voilà, c'est. Là, par exemple, tu veux rajouter tu veux rajouter un bouton, tu veux fourrer une propriété qui a rien à voir dans un bouton, bah vas-y, hop, hop. Fais-le, t'en as besoin, bah prends-le, voilà. Ah ouais. J'ai eu fait ça aussi une fois, plus jamais. Ouais, mais je crois que c'est parce que Java vient avec quand même un framework intégré, hein, je sais plus c'est comment ça s'appelle, mais c'est. Ouais, non, je vois. Puis les applis de base, les applis Java, enfin les GUI Java, c'est. Ouais, sans framework ni rien, c'est super typique, quoi. On dirait vraiment les comment dire. Enfin, ça se voit à 2 km avec l'espèce de petite teinte bleutée, là, c'est. Bah, d'un côté, bon, on va dire, ok, c'est portable, hein, mais c'est mieux quand même quand t'es. Oui, ça doit être ça, oui. AWT, oui. Ah non, ça c'est super vieux. Mais quand t'es sur une plateforme, quand tu changes de plateforme, il y a des choses que t'es quand même obligé de garder. C'est-à-dire que quand tu vas. Ouais. Typiquement, voilà, un truc tout bête, hein, mais tu vois, sous Mac, les fenêtres, les contrôles de fenêtres sont à gauche. Sous Windows, si je dis pas de bêtises, ils sont à droite. Et après, sous Linux, ça dépend. Ça dépend du Window Manager, si je dis pas de bêtises. Ça fait longtemps que j'ai pas utilisé de desk Linux. Mais tu vois, quand tu ouvres une interface, une page, pardon, quand tu ouvres une fenêtre qui utilise les mauvais placements des boutons, les mauvais choix d'interface, c'est tellement perturbant. C'est pas du tout ergonomique, quoi. C'est pas du tout agréable pour l'utilisateur. Et typiquement, ces interfaces bricolées, voilà, ouais, c'est ça. Toutes ces interfaces qui sont standards, elles sont standards, mais elles sont trop standards. Il faut respecter un peu les choix de conception, quoi. Et ça, bon, alors Kivy, lui, il part sur complètement autre chose. Hein. Kivy, il te donne un canevas et tu fais ce que tu veux dedans. Hein. Donc là, moi, c'est moi qui mets les boutons où je voulais. Voilà. Alors là, il rajoute juste du Chrome. Il rajoute juste la fenêtre parce que je suis sous Mac et pour en faire une appli Mac. Mais je serai sous Windows, les boutons seraient à droite. Mais bon, il y aurait vraiment juste que la barre de titre. Et je serais sous Android, il n'y aurait pas de barre. Il y aurait juste, j'aurais juste le bouton Add. Donc moi, depuis le début, je considère que cette fenêtre-là, c'est vraiment mon écran de téléphone et je fais abstraction de la barre là, quoi. Parce que tu as d'autres contrôles. Typiquement, j'ai pas de bouton Home ici. Je peux pas revenir à un autre menu. Je peux pas. Donc il y a plein de choses qu'on peut pas faire là avec la souris. Alors, je peux faire du multitouch si je veux, mais. Bon. Avec tout ça, pas beaucoup avancé dans ma fenêtre, moi. Pas beaucoup avancé dans ma pizza non plus, tiens. Je parle. Alors, qu'est-ce qu'on disait ici? Widget contact. Donc ici, on l'avait initialisé avec le. Ok, on a accès au state. Mais par quoi ils sont indexés, ces trucs-là? Ah, tu m'étonnes. C'est le niveau moins 1 de. C'est le niveau moins 1 de l'ergonomie. Et je sais pas pourquoi, mais surtout dans le monde universitaire, ont un kiff incroyable pour TKinter. Alors.
Oui, voilà, oui, c'est ça, il n'y a pas de... Alors, pour les gens qui voient pas à quoi ça ressemble, hein... Oh, ça, c'est déjà du beau, TK Hunter, ça. Les vrais trucs. Ouais, voilà, quoi. Voilà. Ça, c'est le fin du fin, quoi. Les contrôles alignés à la YOLO. Voilà, c'est... Non, juste non. Allez, il y a un petit peu de boxing à la rigueur. Mais pff, non, 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 non. Et encore, je pense que la personne qui a fait ce truc-là a dû beaucoup, beaucoup travailler pour avoir cette horreur. Non, non, mais c'est... Non, non, c'est vraiment une abomination, quoi. Ouais, voilà, pour faire un truc comme ça, mais c'est les trucs de navette spatiale, quoi. Il y a tous les boutons tous cramés sur une seule section de l'écran, c'est affreux. Voilà, la grande beauté, quoi. Les boutons bien carrés, ça c'est sous. Ça c'est l'Ubuntu, ça, c'est du Linux. Avec les beaux boutons bien carrés, les bien machins bien anguleux, tout ça, personne ne fait plus ça depuis des années. Hein. Mais si, allez. Voilà, c'est. Voilà. C'est moche. N'utilisez pas TK Hunter. Pitié. Il y a tellement de bons frameworks. Quand on regarde du Qt, par exemple. Voilà. Il met les boutons au bon endroit. On peut mettre des icônes. Bah, Qt, c'est pratique, c'est les mêmes bindings pour tout le monde. Donc, tu fais du Qt en C, en Python, en Java, je sais pas si en Java tu peux le faire, mais en C++, c'est les mêmes bindings pour tout le monde. Donc, si tu sais en faire en C++, tu sais en faire en Python. Un Qt Creator qui est acceptable, c'est... Le gros avantage de Qt Creator, c'est que si vous utilisez PyQt, PyQt a une fonctionnalité qui permet de traduire les fichiers de Qt Creator en classe Python. Et donc en fait, ce que vous pouvez faire pour être un tout petit peu malin, c'est design toute l'application avec Qt Creator, qui est donc l'outil qui est conseillé quand on fait du Qt. Vous faites tout comme si vous faisiez du Qt C++, et juste à la fin, vous prenez tous vos fichiers .qt et vous les convertissez tous en Python. Et basé là-dessus, vous avez tous les bindings qui sont faits. Ouais, non, franchement, ça c'est cool. Ça c'est assez cool. J'ai fait toute une application comme ça. En faisant juste et donc tout le design, les bounding box, on peut rajouter des springs et des trucs comme ça. Donc c'est les springs, c'est ce qu'on utilise par exemple pour faire pour s'assurer que quand on agrandit d'un côté la page, les boutons ne viennent pas avec. Donc ça c'est le truc qui est complètement dramatique. C'est par exemple Kivy lui le fait automatiquement, mais très bien. Ah, il est en mode double clic. Il va me... Ok. Alors, bon, ça, c'est un bug de Kiwi. De temps en temps. Voilà. Donc, lui, il resize. Mais après, il redimensionne correctement. Donc, il s'assure que l'espacement est bien gardé, etc., etc. Donc, ça, encore lui, il a un respect pour la géométrie. Mais dans d'autres applications, ce qui peut être dramatique, c'est que, par exemple, tu vas tirer sur la droite. Juste comme ça. Et en fait, tous les éléments graphiques vont rester bien collés sur la gauche et tu vas avoir une énorme barre noire sur le côté. Voilà, ça c'est des interfaces pas très réactives. Et en fait, mais d'un autre côté, il y a des fois où tu veux justement que ça reste comme ça. Donc par exemple, quand tu veux pas agrandir une liste ou tu veux garder
Oui, ça me surprendrait pas que Tekken Inter le fasse. Oui, non, mais ils ont tout, ils ont tout bon de toute façon, Tekken Inter. Ils cochent toutes les cases en termes d'ergonomie. Et ouais, non, en fait, justement, voilà, les box et tout ça permet de définir un aspect qui doit juste être toujours respecté. Donc en fait, ça marche avec des contraintes et on peut mettre une contrainte, par exemple, cet élément doit toujours faire. Doit toujours être rectangulaire, ou tel élément doit toujours être de la même taille que tel autre élément. Et c'est comme ça que fonctionne Kivy aussi, c'est-à-dire que là, bah, il va pas m'agrandir mes images comme un idiot, donc là, quand je fais ça, alors pour lui c'est bizarre, parce que ça veut dire qu'on réduit ou on agrandit la taille du téléphone, donc voilà, ce qu'il fait, c'est qu'en fait, pendant le resizing, il fait une image, au moment où j'appuie pour redimensionner, il fait un screenshot de mon écran, parce que de toute façon, pendant que je suis en train de redimensionner, je suis pas en train d'appuyer sur les boutons en même temps. Et il va m'étirer le screenshot, et quand je relâche, là il recalcule la position de tous les éléments. Voilà. Ça permet de ne pas avoir une image noire pendant que je change la taille de ma fenêtre, mais en même temps, voilà, ça donne un aspect un peu chelou quand tu as des éléments graphiques comme des photos, évidemment. Et Qt fait la même chose aussi, c'est-à-dire que Qt, lui, il va redimensionner de façon dynamique. Quand tu vas grandir ta fenêtre, il va agrandir les boutons. Ce qui peut mener à des situations un peu pénibles où, par exemple, il va appeler le refresh des éléments graphiques, mais si jamais tu as un élément graphique qui prend du temps à générer, comme par exemple un graphique, à chaque fois que tu vas tirer sur ta fenêtre, il va régénérer, à chaque pixel, il va régénérer une fois le graphique avec un pixel de plus en largeur, un pixel de plus, un pixel de plus. Et donc ça devient vite ingérable pour ton CPU, par exemple, si ton graphique demande un petit peu de calcul, il va te tuer ton CPU comme ça. Donc, ou si tu fais des requêtes à l'ADB, si t'es un peu boulé comme moi et que t'as bindé les mauvais événements à des requêtes de DB, tu vas avoir 1 million de requêtes de DB sans avoir rien compris. C'est juste parce que t'as resize ta fenêtre et que lui a fait 1 million de requêtes derrière. Mais donc voilà, donc Kiwi, lui, voilà. Pourquoi est-ce que j'utilise préférablement Kiwi par rapport à ce que j'ai l'impression que BeWare fait, par exemple, même en revenant dans le côté Python, j'ai l'impression que BeWare n'est pas aussi abouti en termes de widgets. Donc je pense qu'il fournit des widgets de boutons, de grids, etc. Pardon, je pense qu'il fournit des boutons, des screens et tout ça, mais je sais pas où est-ce qu'il en est en termes de layout dynamique. Et comme c'est. Alors, on est d'accord que c'est pas ultra important quand tu travailles sur des fenêtres. Enfin, on pourrait se dire un smartphone, la taille bouge pas, mais en fait, si, les smartphones, ils ont pas tous exactement. Les écrans pas tous la même résolution. Et donc, t'as beau être sur du format 16/9, c'est pas tous le même 16/9. Donc, il faut quand même pas que. Tu vois, sur mon téléphone, ça marche bien. Et sur ton téléphone, bah c'est bien, mais il y a 15% d'écran en moins, et donc 15% d'écran en plus, et c'est mal supporté, donc tu as des bandes noires sur le côté, ou tu as des photos qui sont un peu wrappées. Voilà. Donc c'est. Quand on design des interfaces, c'est aussi à ça qu'il faut réfléchir. Il faut pas. Comment dire? Il faut aussi garder en tête le fait que bah, ça va être utilisé en vrai par des vrais gens, et donc il faut pas non plus trop les perturber en mettant en faisant des choix de design, de layout qui sont non conventionnels. Il faut rester justement assez traditionnel. Ce qui me ramène à la question que je me posais il y a une demi-heure sur est-ce qu'on fait un ou deux écrans pour ajouter les contacts, quoi. Il n'y a pas de raison, franchement c'est fun à faire. Hein. Pas trop. Le seul truc que je reprocherais au GUI, c'est que c'est difficile à tester. C'est-à-dire que là, pour tester ça, c'est oublié quoi. Enfin, ce truc-là, ça se teste à la main. Et donc ça veut dire que quand je fais des changements, bah, comme tu as vu, il faut que j'aille tester les changements à la main. Après, j'ai pas regardé vraiment s'il y avait du unit testing pour Kivy, hein, mais. Ah si, il y a quand même moyen de faire des tests unitaires. Ouais, mais attends. Ouais. Non, mais c'est les tests de Kivy. Ah, graphical unit test, on peut faire.
Ah oui, non, d'accord, mais il teste les composants, mais il teste pas. Graphique, test, button. Writing, non, ok, donc il fait pas. Non, ça, c'est les tests pour tester Kiwi. C'est pas vraiment pour tester ton propre code. Pour tester ton propre code avec du. Oh! Ah, mais y a, moi aussi, hein, j'avoue, j'ai un gros kiff pour tout ce qui est optimisation sécurité. Ouais, après, de dire que les GUI c'est artistique, je pense que s'il y a des gens qui ont la fibre artistique et qui voient. Ah oui, ça s'appelle. Comment ça s'appelle? Selenium. Selenium, c'est nickel hein, pour faire de la simulation. Je me demande si on pourrait pas instrumenter Selenium. Je pense qu'on pourrait, si quelqu'un était vraiment motivé, je pense qu'il pourrait écrire un driver. il pourrait écrire un driver pour Selenium, pour Kivy. Donc simuler une page web, si, simuler un, une application Kivy comme étant une page web. Merci pour le follow. Héros de la nuit. Vrai, on pourrait éventuellement écrire un driver Selenium pour Kivy. Ça sera pas moi qui le ferai. Mais on pourrait éventuellement. Et là, du coup, ça aurait du sens, ouais, parce que là, du coup, on pourrait dire. Mais il faut. C'est compliqué après, parce qu'il faut pouvoir cibler les éléments et tout ça, donc c'est. Là, c'est facile avec ton œil d'humain de dire voilà, je clique sur le bouton David, mais. Ouais. Non, c'est parce que je suis assez vieux pour voir la quantité de travail monumental qu'il y a derrière. C'est gentil, mais non. Non, c'est. Je me motive déjà à écrire ce truc-là. Hein. Si jamais un jour j'ai vraiment que ça à faire, si je deviens millionnaire et que j'ai vraiment plus que ça à faire de ma journée. Peut-être. Peut-être que je contribuerai un driver pour Kiwi. Mais non, il y a un taf de fou derrière ça. C'est un travail de. C'est de la broderie, quoi. Il faut aller identifier chaque composant, chaque machin, toutes les propriétés, ce que je peux appuyer dessus, ce que je peux drag and drop, ce que je peux machin. Non, c'est infernal. Hein, infernal. Surtout dans des applications un petit peu bizarres comme la mienne, là. Là, ça, c'est des. c'est des images cliquables. C'est un composant que j'ai fait moi-même, donc là, si jamais tu veux stand si tu veux avoir un truc standard, tu vois, mon image cliquable, voilà. C'est même pas une image cliquable pour de vrai, c'est un truc que j'ai bricolé en tapant dessus, quoi. Donc c'est. Non, mon bouton. Voilà, mon image button. Voilà, donc c'est une image sur laquelle j'ai dit, bah tiens, tu te comporteras comme un bouton. Merci bien, au revoir. Donc. Mais après ça marche, hein. Il fait exactement, c'est exactement ce que je voulais. Je voulais une image sur laquelle on pouvait cliquer, c'est tout. Bon. Hop là. Je disais donc que pour cette magnifique fenêtre-là, c'est pas très compliqué parce qu'on identifie bien qu'il y a trois parties. En fait, il y a la partie du dessus, la partie du milieu et la partie du bas. La partie du dessus, elle se décompose en deux petits bouts, la partie photo et la partie non, avec le crayon. Donc ça, en fait, on pourrait refaire un sous-widget. Et en vrai, je pense que c'est comme ça qu'on va faire. On va faire un widget avec photo, nom et crayon, un widget ici avec les événements et un widget qui contient juste deux vieux boutons. Et ça sera le moins pénible à faire, je pense. Donc on va faire un nouveau package parce que sinon ça va devenir vite vite le bazar. Donc on va appeler ça contact. Ah! J'ai déjà un module qui s'appelle contact. Ah. Alors on va dire que c'est un package. Alors ça encore la grande magie de. Voilà, la grande magie de PyCharm. Voilà, c'est fini. Il l'a fait. Et maintenant, on va faire
On va déménager tout ce truc-là dans un module. On va faire contact add. On va prendre tout ce qui est ici. Voilà, ici. From.add import. Et comment il s'appelle? LoadImageDialog. Et. Jack. Voilà. Donc là, ce que j'ai fait, donc j'ai déménagé tous mes composants qui étaient avant à la racine dans le fichier contact. .py qui était là. J'ai transformé ça en package. Donc, un package, c'est juste un répertoire avec un init dedans. PyCharm a été gentil, il m'a tout collé dans le init pour que ça soit transparent aux yeux de ceux qui utilisent la librairie. Et derrière ça, moi ce que j'ai fait, bah, comme j'ai pas envie de mettre trop le bazar dans mon init, j'ai séparé ça en deux sous-parties, le add qui est là, donc là c'est tout ce qui concerne le add. Et maintenant je vais faire la partie edit, contact. Voilà. Et donc on peut voir que ça n'a normalement. En théorie, rien changé, voilà, ils sont tous là, on peut tous cliquer sur leur tête, mais c'est tout. Donc, le edit form, eh ben, ça sera. Donc, j'ai dit que j'avais besoin de trois widgets. J'ai besoin. On va faire la top bar, la middle segment et le bottom segment. Alors, on va commencer par le top segment. Ça sera un. On va refaire. Alors, moi, honnêtement, les stack layouts, c'est ceux que je trouve les plus cool. Parce que c'est ceux qui vont avoir le plus de flexibilité, en fait. Ils vont se dimensionner de façon relative. Donc là, je peux dire 15%, 20%, 30%, et ça, c'est super plaisant. Ça permet de redimensionner avec les concepts que moi j'utilise pour voir. Donc je dis, bah voilà, ça prend à peu près un tiers d'écran. Voilà. Parce que le grid layout, le problème, c'est qu'il va lui diviser arbitrairement. Ok, bah j'ai trois lignes, parfait. 30%, 30%, 30%. Mais à l'œil, ça rend pas forcément très bien 30%. Enfin, tous les éléments à taille égale, c'est pas très joli. Je vous encourage à aller voir les premières vidéos du stream pour voir à quoi ressemble l'application quand elle est en full grid layout. C'est magnifique. Si, bah, si, justement, mais il va diviser de façon arithmétique. Donc, tu peux pas lui dire 5 pour, enfin, 10%, 5%, 15%. Voilà, il va. Si jamais tu as une grille de 4 lignes, ben c'est 25%, 25%, 25% pour tout le monde. Si jamais tu as une grille de 3 lignes, c'est 33, 33, 33. Ben, alors, il y a des fois où tu as besoin de ça. Donc, typiquement, ça, voilà, ça c'est une grille. Ça, c'est une grille. Que je dis pas de bêtises, oui, c'est une grille. Oh. Est-ce que j'ai encore une grille là-dedans? J'ai encore un grid layout dans le roster. Oui, voilà. Donc ça, effectivement, ça c'est une grille. Mais c'est une grille extensible. Donc en fait, quand je rajoute des éléments, il va pas découper le. Il va pas réduire la taille de chaque élément pour faire de la place. Il va rajouter de la longueur. Donc ça ne marche que parce qu'elle est scrollable. Voilà, je l'ai mis dans un composant que je peux scroller. Et donc c'est pas gênant d'augmenter la taille virtuellement de mon contrôle. Mais sinon non, ça serait pas gérable. C'est-à-dire qu'à chaque fois je rajouterais une personne, à chaque fois les photos deviendraient de plus en plus tassées. Au bout d'un moment, ça serait plus utilisable. Donc là en fait je voulais une grille pour que chacun ait la même taille. Mais sorti de là, tu vois, là c'est ça, on a besoin que ce soit aligné dans une liste de contacts. Tu as besoin que les gens soient
à des espacements bien précis pour que ça soit agréable à l'œil. Mais tu veux pas que ça se tu veux pas que ça se tasse au fur et à mesure que tu rajoutes des gens, ça serait plus utilisable quoi. Alors, ici, ouais, c'est pas très lumineux ce thème, hein. Il n'y a pas color scheme. Ah bah voilà. Ah bah, il y en a des autres. Ça c'est un... Ouais, admettons. Ouf. Ah, ça serait très lisible du coup. C'est très pas joli. Non, c'est... Ah, c'est très non. Oh la vache. Ah bah là, oui, du coup, ça serait... Ouais, bah, c'est celui que j'utilise aussi, mais bizarrement... Mais il est fort... fort passé, comme ça. C'est... Ça va, c'est quand même lisible. Enfin, c'est pas... Les couleurs sont pas trop ternes. Moi, dans mon retour, c'est pas fou, quoi. C'est pas super... pas super lisible. Mais bon, enfin, bon, après, si on me dit que c'est... Si vous me dites qu'on peut lire, hein, c'est... Ouais, c'est ça, ouais. Je vais juste tester, quand même, juste pour voir le truc fort contrasté. Ah la vache, ça déglingue les yeux, ça. C'est la même avec des couleurs moches. C'est l'inverse de ce que je voudrais. Bon, je chercherai des thèmes une prochaine fois, je pense. Pour l'instant, vous plisserez les yeux et puis c'est tout. Alors, ici, donc mon edit top segment. Alors, ce qui serait bien aussi, c'est que directement j'arrive sur cet écran-là. Ouais, donc on va faire 3. Un stack layout. On va juste mettre un bouton pour commencer, ou un label. Ça marche. Bon appétit. On met ça. Hop là. Ça marche. Bon, désolé pour ceux qui restent. Moi, je vais encore manger un bout de pizza parce que je parle, mais la pizza n'avance pas. Alors, donc je disais, j'ai mon top segment. On va juste faire un truc. On va juste. Self.add widget. Et on va juste importer un. Alors, ça, c'est quand même vachement plus cool aussi avec. Un texte égal top segment. Et là, il va me dire, oh, mais je ne connais pas label. Qu'est-ce que c'est que label? Ah, mince. Tranquille.labeling. Ça, c'est bien. On va faire les trois segments comme ça. Et ça, on va appeler ça comment? Comment j'ai appelé l'autre? Add? Ah, contact. Donc on va faire 1
Donc 100% de largeur et donc le top ça sera un truc genre 20%. En haut, 20% en bas et 60% au milieu. Voilà. Ah bon sang, j'ai pas mes raccourcis clavier habituels, ça va être une catastrophe. Hop. Hop là. On va juste faire. Voilà. Magnifique. Et une dernière chose, on va rajouter le. Donc je vous montre 2-3 trucs aussi. Donc je suis dans PyCharm si vous l'utilisez pas tout le temps. Donc là, il me manque un truc que moi j'aime bien avoir, c'est un plugin que j'utilise beaucoup qui s'appelle FileWatcher, qui permet de faire des choses quand on a quand on édite un fichier. Ah bon ça. Ah bah vas-y, fais ça. Non, vas-y. Et en fait, donc sur PyCharm, ce que j'avais fait, j'avais configuré Black pour qu'il tourne à chaque fois que j'édite un fichier. Et là, dans PyCharm, je l'ai plus. J'ai perdu cette intégration. Donc je vais juste rajouter vite fait l'intégration avec Black. Mais ça prend 3 secondes parce que il est grosso modo, c'est la même chose que ce que j'avais fait dans PyCharm. Voilà, hop là, tac. Donc maintenant j'ai mon file watcher. Très bien. Tools. Tools. File watcher. Rajoute un file watcher. Donc ça tourne sur les fichiers Python. Uniquement sur le fichier courant. On va aller le chercher. Ranger dans. Est-ce que je l'ai pas installé niveau. Ah non, il est là. Voilà. On veut lui passer uniquement le chemin du fichier. Output pass to refresh. Et auto save edit trigger the watch external changes. Ça, on veut pas, je pense. Ouais, je crois que c'est ça. C'est soit l'un, soit l'autre, de toute façon. Donc ici. Voilà, donc normalement il fait la sauvegarde automatique. Voilà, c'est l'inverse. Voilà. Et donc comme ça, il me reblackifie mon mon code au fur et à mesure. Parfait. Donc ici, parfait aussi. Tac, 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 tac. From editing port. Et alors, ça sera contact edit widget. Et ici, on va avoir besoin. Donc ici, on va déclencher le contact edit widget. En fait, c'est un écran. Comment est-ce qu'on définit ça, les contacts Edit Widgets? Ils sont pas définis ici, en fait. Ils sont définis au niveau de l'application centrale. Ouais, tous les screens sont définis ici, oui, c'est ça. Donc, hop là.
Ah bah en fait non, je pourrais rajouter là. Contacter le widget. Parfait. On n'a plus qu'à... Voilà. Créer... En son dos, oui, on va lui donner la même chose que l'autre. On va juste... Alors, on lui donne les mêmes paramètres que l'autre. On le définit plus ou moins de la même façon. La seule chose qui change, c'est qu'on lui donne un screen name différent, ce qui va nous permettre de basculer dessus au besoin. Contact edit screen. Add widget, contact edit widget. Tac tac tac. Add widget, contact edit screen. Jusque là, on est bon. Et donc maintenant, la seule différence, c'est que ça sera. Maintenant, il faut qu'on décide de comment est-ce qu'on passe l'information. Comment est-ce qu'on va passer l'information de on est en train d'éditer cette personne-là en ce moment. On pourrait ranger ça dans le state, ce qui serait un endroit raisonnable pour le mettre, avouons-le. Ce truc qui m'embête, c'est que ça risque d'être sérialisé. Mais en même temps... C'est-à-dire que quand on va changer l'application, la fenêtre d'édition va se montrer sur cette personne-là. Mais en vrai, ça ne me dérange pas. On va faire ça. On va mettre... Alors, j'ai besoin du nom de quelqu'un. Ça sera... Alice. State.setEdited contact. Voilà. Donc grosso modo, ce qu'on va faire, on va dire, on va changer le state, on va dire que c'est cette personne-là qui est en train d'être éditée. Et ensuite, on va se focaliser sur les... On va ensuite donner on va charger l'écran qui montre les contacts à éditer. Et donc, c'est dans l'écran lui-même qu'on devra aller rechercher le contact qui est en train de se faire éditer et de charger ses données depuis là. Ça me semble bien. Non ? Une autre option, c'est on bypass complètement le state, et dans ce cas-là, on doit se trimballer la référence vers le widget, et, non, c'est un peu pourri ça. Non, on va mettre... L'avantage de le mettre dans le state, c'est comme le state est partagé avec tous les autres composants, enfin voilà, tous les composants peuvent interroger le state à un moment donné pour aller dire tiens voilà j'ai envie d'afficher telle ou telle information qui est la personne en train de se faire éditer quoi. Donc ouais, ça me paraît correct. On va faire ça. Donc vous voyez que là on a changé le state, on a rajouté cette édité de contact. Ça veut dire mais le state n'a pas été prévu pour on n'a pas de méthode cette édité de contact. Donc d'office, déjà de 1, l'application a pu démarrer. Sans compter le fait qu'on a créé nos widgets sans... Add widget 1. Je vais vraiment coder ça comme une patate, moi. Le size hint, il est pas là, mon gamin.
Il est là. Tac. Et voilà. Bon, est-ce qu'on va enfin arriver au vrai bug que j'attendais depuis tout à l'heure? Oh zut, à la fin. Ok, laisse tomber, je verrai ça plus tard, les size int. Disable count. Top segment has not yet disable count. Ah, qu'est-ce qui quoi encore? Pourquoi tant de tristesse? On a le droit de mettre un bouton. Ah, les boutons ont un droit à un side hint, mais pas un. Non, mais c'est bon quoi, c'est. J'ai le droit, ça, non? Il y a intérêt que j'ai le droit parce que sinon je vois pas comment je ferais d'autre. On peut pas mettre des. Si, on peut mettre des. Un layout. Est-ce qu'un layout c'est un widget? Oui, hein. Un layout c'est un widget. Quasi sûr. Quasi. Qu'est-ce que c'est que cette erreur? Bouton bizarre. Disable count, super de layout, add widget, add widget. Ah, c'est ça en fait, add widget, label top segment. C'est lui là, c'est lui qui plante. Et qu'est-ce qu'il me dit? Ah, est-ce que c'est bien? Est-ce que dans un label c'est bien? Texte. Cherchons un cas où on a utilisé un label quelque part. On a un sur l'écran de création d'ADV. Voilà, login. Add widget de label de texte égale font size égale size int égale. Tout ce que tu veux. Allez, lui, on a le droit. Eh ben, on va le mettre. Label, le texte, la size hint, c'est tout ce qu'on a besoin. Mais quelle drôle d'idée, qu'est-ce que c'est? Widget disable count. Mais d'où ça te vient cette drôle d'idée? Ah, alors peut-être un truc qu'on a oublié de faire, c'est ça aussi. C'est là. On pourrait aussi avoir la politesse de. D'appeler le super. Ah voilà, c'était ça. On avait hérité d'objets, on avait redéfini l'initialiseur comme des salles, et on avait oublié de rajouter la petite partie où on appelle le super classe. Bon, et ben donc, maintenant qu'on a ça, hein, on a besoin de la fonction dans le state, mais si on modifie le state c'est. Hop là, le state, ça se teste. Tout simplement, def test it can set edit, currently edited contact state set state. Contact is none state.setEditedContact. Alors je vais peut-être rajouter quand même au moins un bonhomme hein, parce que sinon je vais pas en sortir. John state. Assert state.edit
.name. Voilà. Ça me paraît être un bon test. Qu'est-ce qui se passe? Vas-y, c'est pas grave, rajoutez toutes mes lignes. Hop, on va faire un petit PTS.xs. Hop. On va lancer notre test. Ah bon sang, je n'ai pas d'attribut édité de contact. Quoi, comment? Alors. C'est vrai qu'en fait, le state, on peut sauvegarder des états non persistés. C'est-à-dire qu'on peut avoir data ici et stocker des valeurs, je veux dire, non transientes. Ouais. En vrai, on va même pas s'embêter avec ça. On va juste garder donc edit contact. Non, contact state. Contact, c'est une liste, donc ça, je peux faire ça, j'ai le droit. J'ai appelé ça cette édité de contact. On verra bien. Non. Alors, cette chose n'a rien à voir, rien à voir du tout. C'est pas return contact, c'est self.édité de contact égale contact. On va se mettre une petite exception. Alors, je vais déjà faire ce test. Enfin, je vais déjà mettre comme ça. On va lancer. Normalement, ça devrait fonctionner ce coup-ci. Voilà, parfait. Maintenant, il nous reste une petite chose à vérifier. C'est est-ce que si jamais je dis que, par exemple, j'édite ce qui est state. Eh, pas sûr. Très bien. Voilà. It can it raise an exception when aiming at wrong contact missing. Voilà, en fait, je voudrais juste vérifier que si je dis voilà, j'ai que John dans ma base, que je vais éditer Carl, que là en fait j'ai bien une exception. With the pytest.raises, et là on va mettre une value error. Voilà. En fait, quoi encore? To me blank line. Non mais c'est bon, les trucs pépites, ça m'énerve pas avec ça. Donc en fait, je dis, voilà, je crée un contact qui s'appelle John. Ça, j'ai déjà démontré avant. Mais par contre, que si jamais je dis que je veux éditer, que la personne que je suis en train d'éditer, c'est Carl, Carl n'est pas dans la base, et donc il va crasher. Voilà, on fait tourner nos tests. Bim. Ah, il n'a pas raise l'exception. Il a juste rien fait, en fait. Il est arrivé jusqu'à la fin de son itération, il n'a rien fait.
Ça, c'est un truc qu'on veut essayer d'éviter. Raise value error contact not found. Voilà. Ah bah, très bien ça. Évidemment, comme d'habitude, je ne travaille pas sur la bonne branche. Stash. Hi, Arcton Lord. I should resize my screen so it's displayed bigger. Oh, you're also doing graphical interfaces or? Or web or so no graphical interfaces HOG. Doesn't ring anything to me. And what's HOG or HOG? I have seriously no clue. Is it something that you can Google safely? This is beyond me. What is it used for? Oh. Neat. Oh, that's nice. I guess you're using a different breed of Python compared to me. I'm toying with graphical interfaces, but you're doing actual science. Yes, yes. I read one image and I was like already cooked. Well, congrats to you if you're doing a thesis on that. That's neat. Actual people doing actual science. Yeah, go ahead. Tell me. I'll have some pizza in the meantime.
Ah, if you're using Qt. So fitting an image to so it can fit my QDB without set minimum maximum size. To be honest, yes. So because when you change the size of the label, it change like the image remains the same size, right? I think I had once the same problem. So you got one way to solve that. It's you can bind to the resize event, and when you resize the Q label, you bind an event that's also going to resize your image with the same height and width. And I think that's the way to do it. Yes, it's I wouldn't know how to do it more. Oh no, you can also. Yeah, apparently you can have that here. So you can you, you like if you're using where are you? I lost you. Yeah. So my solution is pretty dirty, and I wouldn't recommend that, especially since apparently you have this scale content property here. And so apparently you declare an image as being a label, then you set the pix map on it, and then of course you need to declare it with instantiating your image, and then you put ignored in the size policy. And I think this should work also well, probably because like the guy here like got a bunch of upvotes. Oh. On the other hand, it doesn't work with PyQt5. Shit. Yeah, that's how I would do it. Like that's how I did it. Ah, centering images. For centering, I don't think you need to, would you? Yeah. For that. Putting in the size. Also, again, so if you can't deal with it in this way, so well, here apparently this doesn't work. Like someone reported that in Qt5 with PyQt5 it doesn't work. Yeah, this solution doesn't work either. So my dirty solution would be indeed to pipe a signal to resize, like resize, send a signal and then the slot here. I would do the same. So I would bind two slots. One slot would be here the pixmap scaled. That would like rescale your image.
And then having a second one, which would like, you might write your custom function. Yeah. Oh dear. From image. So yeah, that's your pixmap, yes. And then yeah, if you want to, so it works in your version of Qt, it works. Well, that's even better. But that's two good lines. Actually, it's a lot of work from a lot of people. But yeah, we can call it magic. So I'm working on a smart contact manager, because I'm kind of an introvert person myself, and I have a problem with keeping up with social activities with people. So I often forget birthdays or important events in people's lives, and so I'm making a tool that's going to warn me back when like, oh, you didn't speak with your mother for a month now, maybe you should call her on the phone. Or oh, okay, it's like your best friend moved a month ago, maybe you should call him back and ask him how is the moving going and stuff like that. Or one of your colleague was like passing an exam. Like 3 months ago, he was passing an exam in 3 months. So maybe you should call him and ask him how is it going and stuff like that. So just something that reminds me about other people, because otherwise, if I rely on myself, I tend to forget. And it's not because I'm meaning them. Yeah, kind of reminder, but focused on social interactions. And like with more dedicated features than just a general reminder, like, yeah, do this, do that. People, like, I know my wife, for example, she's managing a lot of stuff through calendar and reminder. But yeah, you've got some stuff which are like pretty tedious to do if you want to have, if you've got general application and you want to adapted for a very particular use. And here I'm just trying to build a very particular app and tool for a very, very narrow scope, and it's mostly for fun. It's like there's no big plans behind that. It's just for the sake of building stuff. And I'm doing it using Qt, which is a thanks. I'm doing it using Qt, which is a framework that's multi-platform. So currently I'm developing on a Mac, but the idea behind that is to be able to work on my phone later on. So you can, with Kivy, you can compile to all the platforms like Windows, Linux, macOS, iOS, and Android. So sorry for the other platforms that people might be using which are not listed here. And by doing so, you can, like here, you can see that, you can tell that my screen is shaped like a portrait smartphone. And when I, like, I hope in a short amount of time I'll be able to compile it and run it on my phone, because like the purpose of the application is to be run on the phone. And right now I'm building like this screen which I doodled, and I'm so yeah, if I run it again,
So yeah, you can see this is the top segment, like top segment with the picture in the name. The bottom segment is with the add event and add reminder, and the middle segment is here. But for some reason, there's only this top segment showing up, and I think it's because I messed up with the proportions. I always forget which is which, if it's like the width of the. Oh, what's this? Come back. Okay, it's terrible. Yeah. Zero point two plus 0.6 plus 0.2 is 1, right? So it should account for 100%. Je n'ai aucune idée pourquoi est-ce que rien ne s'aligne comme je veux. Pourquoi? Est-ce que ça serait tout bêtement parce que je n'ai. Non, je ne sais pas. Ah, ils sont tous les uns derrière les autres, cela dit. Vu qu'ils n'ont pas de box et de choses comme ça. Attends. Un widget, un roster. Est-ce qu'un layout c'est un widget? C'est quand même ça la grande question. Un layout, c'est un widget. Bon, c'est tout. Il n'y a pas de question à se poser. Qu'est-ce que ça peut bien être encore cette histoire? Est-ce que quelqu'un a une idée? Qu'est-ce que j'aurais bien pu oublier? C'est en train de me saouler. Je suis persuadé que le top segment, le middle segment et le bottom segment sont en dessous. En fait, la meilleure façon de le voir, bah, ça serait d'en cacher un, en fait. Oh, bon sang. Raccourci clavier. Search. Ben alors. Ah, c'est dans France du Mac. Oh bon sang, c'est où cette histoire? Ah voilà, merci. Voilà. Parce qu'évidemment, il y a des raccourcis clavier qui se. Merci. Juste ciel. Ça, c'est. Étrange ça par contre. Qu'est-ce que c'est encore cette histoire? J'ai jamais demandé ce qui passe à la ligne, moi.
Est-ce que ça serait pas... With line comments, with block comments. Est-ce que c'est pas... C'est quand même chelou. J'aime pas trop. Je sais pas quand il me descend la ligne tout seul. Du coup, ça marche plus. Quelle drôle d'idée. Bon, là. Hop. Hop là. Donc ça, c'est le block comment. Ça marche juste pas. Ça, hop là. Hop. Et donc ici, je viens. Tac. Il y a un autre truc quelque part, soit possible. Line comment. Est-ce qu'il n'y a pas un truc malin, genre. Genre quand on genre passe une ligne quand t'as fait ça, il serait encore bien capable de faire un truc pareil. Non, c'est pas ça. Non. End on blank line. Ça c'est bon, non, mais bon, ok. Hein, si c'est ça le fonctionnement, ok, mais bon, ça me saoule un peu parce que ce que j'aime bien, moi, c'est pouvoir justement rester sur la même ligne pour décommenter, recommenter une ligne, quoi. C'est quand même plus sympa parce qu'à chaque fois, ça va remonter. Bon, admettons, admettons, je regarderai sur mon éditeur habituel comment j'ai configuré ça. Ah, ouais, c'est ça, voilà, c'est ce que je disais, c'est que le middle segment il est caché derrière le top segment, ça veut dire qu'ils sont. Tape détail. Alors, est-ce que maintenant, si je ne spécifie pas de taille ici, en théorie, ils vont être à 100%. Voilà, donc le middle segment est effectivement énorme. Donc maintenant, ici, si je donne un size int égal à 1, 20%, 60 et 20, il va me dire je ne prends pas les size int, va te faire voir. Il le fait, ok, bah ce coup-ci ça marche, je sais pas pourquoi, voilà. Alors là, normalement, alors tout est noir donc on voit rien, donc on va peut-être changer la couleur du middle segment juste pour voir. Donc pour ça, il faut aller regarder la doc des labels parce que je ne connais pas par cœur. Comment est-ce qu'on change la couleur d'un label? Color, outline with. Ouais, mais c'est pas comme ça, c'est le markup. Rectangle show marks. Ah ben voilà, text color, non, c'est pas ça.
Y a pas background? Ah, ça serait, à tous les coups, ce serait plutôt background. Ou BG. Non, y a pas. Unicode, underline, texture, texture size, text. Bah, on va mettre l'outline. Outline color. Au format RGB. This is great. Alors, on va mettre le middle segment label égal à 20, 20, 20. Qu'est-ce que c'est que 20, 20, 20 comme couleur? Ça va être un truc bien moche. Il s'en fout, mesdames et messieurs. Ah non, c'est l'outline, mais on n'a pas dit l'outline width. If the value is none, évidemment. Qui default vers none. Égal 2. Et là, on aura... Ah non, l'outline du texte, évidemment. J'ai rien dit. Mais en tout cas, c'est cool, ça fait un effet sympa. C'est pas ça que je voulais. Est-ce qu'on peut avoir une couleur ici? Non, il faut la regarder au niveau du layout. Est-ce qu'un layout peut avoir une couleur? Absolument pas. Est-ce qu'un layout... Je suis dans un label. On va chercher layout. Layout. Mais... Stack layout. Stack layout. Plutôt... Ah, c'est un layout. Et maintenant, add widget. Ah ok, c'est les deux seules propriétés qui intéressent les gens. Mais comment est-ce qu'on fait pour... On peut pas changer Donc Kiwi widget background color. Add a color to the background of a custom rule class. Ah, add a color to the background of a custom. Ah, voilà. We can commence a multiple layout. You can subclass the layout and create your own layout that adds a background. Oh, bon sang. Ouais, dis-moi tout. D'accord qu'il n'en fait rien de sa couleur là. Color range from. Mais il ne fait rien que sa couleur.
Attends, ça me paraît complètement fou. Où est-ce qu'il est? Edit state, non. Donc c'est pas roster. C'est pas dans le layout. Ça me paraît complètement fou ce truc. On ne touche pas à la couleur. Et si, ça marche en plus, mais d'où? D'où ça marche? Comment ça marche? D'où est-ce que couleur? Ok. Est-ce que c'est... Mais non, mais comment? Il faut que je sache comment fonctionne la couleur, c'est pas possible. Graphics. Color. Ok, donc c'est un truc qui est ok, donc c'est on set color et ce qui est dessiné ensuite quand on fait du graphics, tout ce qu'on va faire ensuite dans du graphics, ça va être de la couleur de cette couleur-là. Waouh, ok, il faut savoir quand même. Eh ben, j'ai appris des choses. J'ai appris des choses. Ok. Bon, donc là, j'ai mon middle segment, j'ai mon top. Voilà. Et donc, voilà, effectivement, ils font bien 20%, 20% et 60%. Ça me paraît bien. Ça me paraît honnête. Où est-ce qu'on va mettre ça maintenant? Bon, le green, il est un peu péchu quand même. Il a une color range from 0 instead of... Ouf, ok, donc c'est... Ça serait, si je veux un truc un peu plus... Voilà. Je sais pas ce que ça va être comme couleur, mais... Juste un truc un peu moins violent que le vert. Ouais, ok, allez, admettons. Ah bah c'est bien, voilà. Donc ça, ce qu'on fait là, ça s'appelle du scaffolding. C'est, on va juste poser les éléments, et ensuite on va regarder comment est-ce qu'on peut faire rentrer les éléments qu'il nous faut. On pourrait déjà peut-être commit, là, déjà, parce qu'on est assez content de ce qu'on a, hein. Widget contact init. Widget contact init. Je fais des imports qui sont pas utilisés. Mais si, ils sont utilisés, mais ils sont utilisés ailleurs. Qu'est-ce que tu m'embêtes? Load image dialog, contact widget, edit, import, but not used. Ils sont pas utilisés là direct dedans, mais. Oh. Comme t'es, oui. Ouais, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Je pourrais le dégager et du coup faire importer ça proprement depuis l'extérieur. Ouais, c'est probablement la vraie bonne solution, on est d'accord. Où qu'il est? Là.
Hop là, donc lui il va me dire non, ça ne va pas. Nanana. Et il aurait pas tort, on va faire add. Voilà. Qu'est-ce qui se passe encore? Blankline fait le contact int. Bah c'est bien, non, contact init. Voilà. Alors ça, si quelqu'un connaît la commande qui va bien pour ne pas à chaque fois avoir à refaire le setup stream origin machin, ce serait cool. Hein. Chaque fois, je me prends la tête avec ça. J'ai toujours la flemme de regarder comment est-ce qu'on met, hein, comment est-ce qu'on fait un beau git push la première fois sans avoir à faire le track origin. Alors. Bon, ça, je suis content de ce que j'ai là. Là, je suis content de ce que j'ai là. Là, je suis content de ce que j'ai. Maintenant, il serait temps de mettre une photo et une image. Hein. Les cocos. Tac, tac, tac. Alors, donc, je suis dans mon edit form. Donc, oui, là, ce qui est bien, c'est que je peux. Allez, tout le monde va prendre la même signature maintenant. Hein. Pas de discussion. Hop là. Voilà. Tout le monde a sa petite référence au state et au screen manager. Et du coup, maintenant, je peux passer state égale state, sm égale sm. Voilà. Donc comme ça. Mais non. Donc ça passe toujours. L'avantage maintenant, c'est que comme j'ai accès au state de partout, je peux aller chercher dans le top segment. Hop là. Self.state. Alors on va faire plutôt au redraw. Au redraw. Donc sur un layout. Est-ce qu'on n'a pas des. On a quoi comme événement sur un layout? Sur un layout, on a quoi comme événement? Alors moi, ce qui m'intéresserait, c'est pas de le charger directement parce que sinon à chaque fois ça va changer. En gros, sinon il va me le charger statiquement une fois bonjour Alice et après tous les autres gens vont s'appeler Alice parce qu'il n'a jamais pu rafraîchir la page. Alors ici, d'accord, et puis allez, oui. Les événements d'un layout. Quoi, il n'y a pas d'événement sur layout dessus. Add widget. Do layout. SQLB trigger. Sinon, je peux faire au niveau du screen manager.
Est-ce qu'il est X screen? Je crois que j'ai ça sur une de mes. Je crois que j'ai ça au niveau du roster en fait. Hop là, le roster il est où? J'ai pas un truc justement. Ah, on pre-enter. Voilà. On pre-enter. Ah, on fait ça. Et ça, je me demande ces pages. Oui, si, 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 c'est bon, c'est bon, c'est bon. Donc, édition. Et on va mettre le on pre-enter. Et c'est là qu'on va faire le rendu des éléments. Donc, par exemple. Attends, ça prend quoi ça? Ça prend ArxWorks. Ok. Voilà. On va juste déjà tester que celui-là marche sans plus de paramètres que ça. Il marche pas. Ça va. Comment se fait-il qu'il ne marche pas, le bougre? Allez, on pre-enter. Qui est-ce qui a ce truc-là, là? On pre-enter. C'est le screen manager qui appelle on pre-enter. When the screen is about to be used. On enter. On pourrait aussi faire le on enter. Ouais, non, c'est mieux simple. Mais on n'est pas vraiment sur un screen là, c'est ça le truc. C'est qu'on est trop loin. On n'est pas sur un. C'est pas des petits screens en fait. Par contre, on pourrait à la limite se binder sur le screen en question et envoyer le screen, propager le screen partout. Donc en fait, au niveau de mon application principale, j'ai mon screen. Où est-ce qu'il est? Main. Voilà, donc ici, voilà, j'ai mon contact edit widget, j'ai le stage, j'ai le screen manager pour qu'il permette de changer d'écran quand je le veux. Mais j'ai mon screen aussi qui est là. Et en fait, je vais passer screen ici. Hop, screen égale 8. Tranquillement. Dans mon edit, je vais rajouter screen avec juste deux E, c'est suffisant. Self.screen égale screen. Alors, ça, j'espère juste que ça va pas rentrer en collision avec d'autres propriétés, on verra bien. Et ensuite, on va propager notre screen. Screen égale screen. Et ici, tac. Oula, pas trop. Self.screen égale screen. Voilà. Donc si je dis pas de bêtises, maintenant je peux binder def update update jets. Alors, self.screen.bindOnPreEnter égale self.updateWidget. Donc, qu'est-ce que j'ai fait là? J'ai mon screen qui est l'élément qui contient tous mes widgets. Lui, il a la propriété de sortir et de rentrer dans le champ. Quand il rentre et qu'il sort du champ, je peux déclencher des propriétés. Je peux déclencher des événements. Mais à l'intérieur de chaque widget, j'ai pas accès à ça. Je suis à l'intérieur, je peux pas remonter. Donc ce que j'ai fait, j'ai pris mon screen, je l'ai donné au gros widget
qui est le Contact Edit Widget, qui lui définit les liens entre les petits widgets. Et à l'intérieur de chaque widget, j'ai repropagé la référence vers le screen. Et là, dans le top segment screen, dans le top segment widget, pardon, ce que j'ai fait, je prends ma référence au screen et je lui dis tu vas accrocher. Donc quand le onPreEnter est déclenché au niveau du screen, toi tu vas exécuter ta propre méthode onUpdateWidget. Enfin c'est UpdateWidget. Et là normalement je devrais voir juste top segment. Si ça pète pas dans tous les sens. Ouais, je vois top segment. Ce qui veut dire que maintenant, j'ai aussi accès au state qui a été modifié. Voilà. Tout ça pour ça, hein. Donc contact égale self.state.current. Comment ça s'appelle ce truc-là? Edited contact, merci. Hello. Voilà. Et donc là, normalement, si jamais, comme dans mon initialisation, j'ai dit que j'éditais Alice, il va me dire Hello Alice. Ah, ah, magnifique. Voilà. Et je pourrais même afficher sa photo de contact, c'est parfait. Mais alors, quelle heure est-il? Si vous m'excusez 5 minutes, je vais aller me chercher un pull parce que j'ai froid et je vais me chercher un coup à boire. Et je reviens. Ben voilà. Bon, alors, où est-ce qu'on était? Donc voilà, tatatata, hello Alice, c'est très bien.
Donc, on a besoin ici de deux widgets. On a besoin... Voilà, bah du coup, je vais mettre une image hein, pour le vrai. Si... En fait, je vais tester d'abord si on a une profile picture. If contact... point profile picture. Et dans ce cas-là, ça serait quoi? Ça serait une image. Qu'est-ce qu'on utilise ici? C'est une vraie image en fait, oui. Donc, réfléchissons. Self.addWidget. Alors, s'il y a une... Voilà, c'est ça. Donc, ça sera une image dont la source est... profile picture. Par contre, il va falloir qu'on la resize assez durement parce que sinon elle va dépasser. On verra bien ce que ça, on verra bien comment ça rend. Et ensuite, quoi qu'il arrive, on met toujours, on va enlever le hello et on va mettre Alice. Voilà. Et s'il n'y a pas, dans ce cas-là, on met un bouton. Texte égal. Set picture. C'est pas très courageux, mais. On va voler aussi le bouton d'ici. Voilà. Ça paraît bien de ça. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi est-ce que le label est en train de sortir de son layout pour aller dans le layout du voisin? Qu'est-ce que c'est que ces méthodes? On n'a pas le droit de faire ça. C'est parce que l'image est trop grosse, c'est ça? Parce que j'ai pas défini de boundaries, donc il est mêlé l'un côté de l'autre. Alors là, en fait, on pourrait faire un grid, en vrai. On pourrait faire un grid layout. Kivi.ux.grid layout import grid layout. Et ici, on pourrait définir un grid layout avec... Ce sont des colonnes. Il y a deux colonnes et on rajoute deux widgets. Ça me paraît bien ça. Voilà. Eh. Voilà. On est bien là, non? On a le nom. Bon, on n'est pas méga centré. Ouais, ouais, je sais. Bon, donc du coup, on va revenir sur du stack layout et on fait un... Du coup, on fait un 80-20. Alors... Size hint... Donc l'image, c'est du 20%. 1, non, 0.21. Donc 20% de la largeur et 100% de la hauteur. Et lui, bah du coup, ce sera l'inverse. Size hint 0.81.
20%, 80%. On est bien. Alors maintenant, il me faudrait un autre de mes contacts à qui je n'ai pas filé de photos. À qui j'ai pas filé de photos? David. Je crois que David n'a pas de photos. David. Ah, j'avais dit, hein, tester les applications graphiques. Ouais, voilà, cette picture sur le côté, 20%, 80% de David. C'est pas beau. Mais on va remettre Alice. Voilà. Nickel. Nickel. Picture name to the top segment of quoi? Mais non, mais... Qu'est-ce qu'il me fait là? Non mais... Black lui-même ne sait plus quoi faire. Qu'est-ce qui... Tu reformates quoi? Ah, du coup, je vais enlever Black de mon... J'ai trop de Black. Ah, est-ce qu'il n'y en a pas un qui prend... Attends, j'en ai pas un qui prend des... Oui. Voilà. Il y en a un qui reformate à 79 lignes et pas l'autre. Voilà, c'est ça l'astuce. Parce que sinon, il n'y a aucune chance. Sinon, on va... Alors déjà, de 1, on va pas s'en sortir, mais de 2, c'était pas normal qu'il. Il n'arrive pas à se mettre d'accord sur une question aussi simple. Voilà. Donc là. Voilà. Oh zut, j'avais déjà poussé tout à l'heure. Ouais, tais-toi, merci. Et qu'est-ce que... What? Ouais, je vois. Pff. Bon, après ça, c'est simple, hein. Crac, crac. En fait, la partie inférieure est toujours pourrie.
Top, bottom, middle. Oh, le bottom est tout pourri maintenant. Il manque des trucs là, mon gars. Il manque celui-là déjà. Voilà, ça c'est bon. Bon, ici. Et tac, add widget. Voilà. Tourner les tests, on sait jamais qu'il m'aurait cassé un truc et je m'en serais pas rendu compte. Non, ça va. Et voilà, on a évité le delete, le hard delete du repo. Bon, 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 bon. J'espère que maintenant il sera en paix avec lui-même et qu'il arrêtera de me reformater mon code à tout bout de champ. Hein, très sympa. C'est de travailler les gens qui travaillent. Tac, 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 tac. Voilà, ça c'était celui où on était occupé. Voilà. Ce que je pense que je vais encore faire, c'est rajouter les deux boutons du bas. Hop là. Bottom segment. Alors les boutons en tant que tels. Je pense qu'on va refaire la même manip qu'ici. Tout simplement parce que j'ai besoin du contact. J'ai pas envie d'aller rajouter des événements à un contact qui n'est pas le bon. Bottom segment, c'est pas ça que je veux. J'ai besoin de deux boutons. Alors là, pour le coup, je peux vraiment faire un grid layout. Après m'être donné tout ce mal pour l'enlever, je vais le remettre. Voilà. Et là, je vais vraiment faire deux colonnes parce que. Que c'est vraiment ça qu'il faut en fait. Texte égal. Ah, en fait, il me faudrait des petites icônes. Ce serait. Pour l'instant, on va mettre juste add event. Add reminder. Voilà. C'est tout bête, mais voilà. C'est fonctionnel. Après, il faudra qu'on se mette des petites icônes jolies, quoi, mais il n'y est pas encore. Bon. Allez, on n'est pas trop mal, on n'est pas trop mal. Ça avance. Ah, il est sévère, hein.
Effectivement, j'utilise la variable contact sans. Je définis la variable contact que j'utilise pas. Voilà. Hop. On va créer la pull request. Tac. Voilà, il fera un tourné de 3 tests, ça lui fera pas de mal. Bon, bah, je pense que pour moi, ça va être plus ou moins tout pour aujourd'hui. C'était fun, franchement. C'était chouette de discuter un peu avec vous aussi. N'hésitez pas. Hein. Et désolé pour la pizza et... et les bruits de... Si jamais vous êtes sensible aux bruits de couteau et de fourchette sur de la faïence, ça doit être assez pénible. Et ouais, si jamais vous avez des questions, comme ceux qui sont venus parler aujourd'hui, vraiment n'hésitez pas. Je suis... enfin, ouais, y a des trucs que je sais, y a des trucs que je sais pas. Je fais pas que des développements pour applications mobiles ou que des GUI, mais j'en ai fait quelques-uns. Donc si vous avez des questions, n'hésitez pas non plus. Donc voilà. J'espère que vous vous êtes bien amusés. En tout cas, moi, oui, bien. Et puis, ce que je propose, c'est que la semaine prochaine, on reprenne là où on s'en est arrêté et qu'on finisse cet écran de contact. En attendant, je vous souhaite de passer une bonne semaine, amusez-vous bien. Si vous voulez jeter un œil au projet, y a des liens dans la description. Et puis voilà, puis si vous voulez participer, il y a aussi... Alors j'ai prévu d'écrire un guide sur comment contribuer au projet, j'ai toujours pas fait parce que pas le temps. Je le ferai peut-être un jour où j'aurai un peu plus de temps. Et voilà. Donc voilà, amusez-vous bien, passez une bonne semaine et puis à la semaine prochaine. Salut!